Lars von Trier provoque une nouvelle fois la croisette, pas seulement avec son nouveau film Mélancolia avec Charlotte Gainsbourg et Kirsten Dunst, mais par ses propos. Le cinéaste danois s'est attiré les foudres de la communauté juive et a dû s'excuser. Voilà ce qu'il disait en conférence de presse, des mots qui ont dérouté l'assistance. Je voulais vraiment être juif, mais j'ai découvert que j'étais un nazi. Je comprends Hitler, mais bien sûr, je ne suis ni pour la Deuxième Guerre mondiale, ni contre les Juifs. Deux ans après Antéchrist, Lars von Trier livre Mélancolia en compétition pour la Palme d'Or. Mélancolia, c'est le nom d'une planète qui va entrer en collision avec la Terre. C'est aussi le nom du mal qui ronge Justine, alias Kirsten Dunst, une enfant de Saturne minée par la dépression. He's gonna know how different. Yes, Michael, thank you.